rendez-vous le 30 et 31 août au Groovidé Festival pour 2 jours de pure dinguerie. 4 scènes, 10 ans, 80 artistes. Bonjour, c'est François du Groovidé Festival pour l'interview Éclectique Média. Donc voilà, ça se passe à Flobecq, place de la station. Nous sommes au même endroit depuis plusieurs années maintenant et nous fêtons nos 10 ans cette année. 4 scènes pour cette année, c'est une nouveauté, dont une nouvelle scène en Boiler Room. Donc niveau programmation, on reste toujours basé sur de l'électronique. Donc une scène techno, une scène tech house, minimal, deep house. On programme aussi une nouvelle scène Jump Style, 100% rétro. Et alors on a toujours notre scène house le vendredi. Et le samedi, on part sur une scène aussi rétro. C'est un an de préparation, c'est toute l'année. On bosse sur la programmation, sur les horaires, les équipes. C'est du non-stop, en fait, créer un festival. Convivialité, familial et festif. 4 scènes, 10 ans, 80 artistes. On a un public 100% électronique qui vient vraiment pour les artistes, mais on a un autre public qui vient vraiment pour passer un moment parce que c'est vraiment l'atmosphère du festival ici qui est très impressionnante. Il y a 10 ans qu'on a créé l'événement. À la base, donc, déjà nous on est DJ, on a un groupe de musique électronique qui s'appelle Les Chimistes et on est passionné de musique dans la région depuis des années. Et voilà, une bande de potes et on a créé l'événement. Donc mon meilleur souvenir, ce sera la toute première édition, le stress complet et on a quasiment rempli le lieu et c'était magique, quoi. Notre équipe de bénévoles qui sont derrière nous depuis plusieurs années, nos sponsors et ma famille en premier temps aussi. C'est pas toujours évident l'organisation d'un festival. Quasiment ramené une bonne partie du village. Ouais. On a plus de 70 bénévoles tout le week-end qui bossent autant au montage, au démontage, au bar. Partout quoi. Bien sûr, à la commune de Flobecq, pour nous accueillir chaque année depuis toutes ces années. Au patron du site aussi, que sans lui ce serait pas réalisable. Et alors, bien sûr, à toute l'équipe qui travaille dans l'ombre, de bénévoles, nos sponsors, je leur dis un grand merci. Salut les gars, c'était François pour le Groovidé Festival. On se voit le 30 et 31 août.